Le fait d'avoir été bénévole, d'avoir été président d'une association comme Amiens Jeunes, c'est vrai, c'est un très bel exercice de la vie, de fonctionnement au quotidien d'une association. Ça permet de comprendre également, quand on se met du côté du bénévole, ce que l'on attend. Ce que l'on attend des autorités publiques, ce que l'on attend effectivement des élus quand vous êtes président d'une association. Et ça c'est très formateur. C'est vrai que je m'en sers au quotidien. Je me rappelle d'où je viens, le bénévole d'une association. Lorsque je rencontre une association et donc des bénévoles, et que cette association m'exprime ses difficultés au quotidien. En fait, le fait d'être au niveau du club, de m'être occupé des réseaux sociaux et puis du coup de faire pas mal de choses, notamment en vidéo, montage, choses comme ça, comme je passe au niveau de mon travail sur une part de communication, c'est amusant parce que c'est plutôt le bénévolat qui du coup m'aide et me permet d'avoir comment dire, un atout par rapport à l'employeur, là. C'est plutôt dans ce sens-là. Au niveau de mon emploi et de ma formation, pour l'instant, non, pas forcément tellement, si ce n'est une aisance, oui, voilà, par exemple, oui, je suis assez à l'aise quand on me pose des questions ou pour essayer de parler notamment avec des sponsors, des choses comme ça. Donc ça, c'est toujours intéressant pour le club. Ils ont des qualités remarquables, principalement des qualités humaines, voilà, d'écoute. Certains sont plus dans l'action. Voilà. Ils préfèrent se focaliser sur des moments précis de la vie du club, aider sur des missions très précises. Et certains ont une présence plus à long terme. Avec des idées de projets, de progression, de modernisation, d'amélioration. Oui, le relationnel, par exemple, dans le cadre de ma profession, je suis beaucoup en relation avec des différentes professions et ça m'a permis aussi de pouvoir faire du bénévolat dans ce sens-là. Quand on est bénévole, on n'a pas forcément de formation. On prend par exemple, une présidence de club, on n'a pas forcément de formation juridique, de formation financière. Donc on a besoin d'éclaircissement, de soutien sur ces plans, des choses purement organisationnelles, sur la mise en place, sur des révisions de statut, où là aussi c'est notre rôle, c'est mon rôle, celui de la direction des sports qui m'accompagne, de pouvoir justement encadrer, apporter des solutions et des réponses concrètes, rapides à ces clubs pour leur permettre de continuer à se développer et de continuer effectivement à porter, à vivre leur pratique.